Cet épisode de La Grotte du Barbu vous est proposé par Keter. Keter, c'est le spécialiste du rangement et du bricolage. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode où je me prépare pour une installation. Je poste de plus en plus dans l'événementiel et on ne sait jamais vraiment ce à quoi on va devoir faire face. Donc je prends beaucoup d'outils et de quincaillerie. Et justement, je vais utiliser un des éléments que les amis de Keter m'ont envoyé et que j'utilise de plus en plus, la Cantilever et leur système Connect pour pouvoir ranger tout ça et le trimballer tranquillement vers mon lieu de travail temporaire. Ce rangement est séparé en deux, la base à roulettes et le cantilever, mais peut aussi accueillir tous les éléments de leur système Connect. Le capot est du plastique transparent super dur, je peux filer des coups de marteau, m'asseoir ou monter dessus, et ça résiste, c'est dire. La cantilever est composée de deux éléments, la boîte en elle-même et le dessus avec des boîtes amovibles et interchangeables. Et le truc smart, c'est ses pieds qui empêchent la boîte de basculer même quand la boîte du bas est vide. Et dès qu'on prend la poignée, le mécanisme se bloque, ce qui évite de tout renverser par terre, et ça c'est plutôt malin. Personnellement, je mets les trucs lourds comme ma scie sauteuse, scie circulaire, serre-joint, meuleuse, scotch, colle, etc. dans le module du bas. Et je rajoute un élément du système Connect comme ici, quand j'ai besoin de plus d'outils ou de quincaillerie. Les éléments se clipsent les uns aux autres et nous permettent de créer notre boîte à outils personnalisée avec autant de boîtes qu'on veut. J'aime beaucoup leur gros système de fermeture en métal qui change des trucs en plastique qui se cassent ou ne sert pas assez. C'est solide, c'est un peu bourrin parfois, mais ça ne bouge pas et c'est ça qui me plaît. Même en étant attaché, le contenu de la cantilever est accessible et c'est là où je stocke les outils que j'utilise le plus, perceuses et visseuses ainsi que les batteries de rechange. Maintenant que ma boîte est prête, on va la baptiser et lui donner un petit coup de couleur, comme pour tous mes autres outils pour éviter que quelqu'un se barre avec en plein milieu d'un chantier. Bon, je suis pas dans le beau, mais dans le voyant. Ça me ressemble bien, d'ailleurs. Je peins ma super caisse à outils Cantilever Connect à la bombe, d'abord en orange, et aussi avec quelques touches de violet. Maintenant que ma vilaine couleur est appliquée, je peux remettre quelques autocollants Keter. Un autre élément bien vu sont les éléments de la poignée qui descendent jusqu'en bas pour stabiliser le tout quand on n'utilise pas les roues. Ce qui me permet aussi d'utiliser la Cantilever Connect comme mini escabeau. Et une autre petite vue des pieds intégrés à la Cantilever pour éviter que la boîte ne tombe quand le capot est ouvert. Vraiment des petits trucs bien pensés et qui vous simplifient la vie. Ça me permet en tout cas de trimballer plus de 20 kg de matériel sur des chantiers sans me péter le dos et avoir un système de rangement adéquat, modulable, en fonction des jobs et super pratique. Bon, et ça peut servir de tabouret aussi. En tout cas, je l'amène partout sur mes chantiers et jobs et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas fait défaut. Il faut juste faire attention que les clips des différents modules ont bien été enclenchés des deux côtés avant de la soulever, mais sinon c'est un système modulaire, le plastique est solide, je l'ai déjà mis à rude épreuve, les rangements pour les outils et les quincailleries sont nickel, et si je les peins, c'est pour éviter que mes collègues ne me le piquent, parce que oui, ils sont tous jaloux de ma jolie caisse à outils. Encore merci à Keter pour cette super boîte à outils modulaires et pour leur soutien à la chaîne. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.